La trentaine passée, nous le trouvons dans cette salle du ministère des Arts et de la Culture qui abrite les festivités liées à la célébration de la Journée mondiale du livre et des droits d'auteur. Billy Tacha, lui, qui suit avec acuité toutes les différentes articulations du programme du jour, nous séduit par le récit de son amour pour la lecture. Il est l'un des rares de sa génération qui voue encore une passion pour le livre à cette ère du numérique. C'est une culture que j'ai depuis toujours. J'ai eu la chance, quand je faisais le cours moyen 2, j'ai eu un formidable maître qui nous avait initié à la lecture. Ça a été toujours comme ça pour moi. Malgré ses occupations quotidiennes, il trouve le moyen de lire au moins une demi-page par jour. Ceci est sa formule. Un gros challenge d'ailleurs pour l'homme de 37 ans, entrepreneur immobilier. C'est par le concours d'une information à la radio qu'il se retrouve ici, motivé par l'idée de faire de nouvelles rencontres et de renflouer sa bibliothèque. Je me suis dit, bon, oui, il faudrait que je m'y rende pour essayer de voir de quoi on parle, et voir s'ils vont énumérer justement toutes les problématiques auxquelles le livre est confronté aujourd'hui, à l'heure du numérique. Des Camerounais comme lui ne courent plus les rues malgré les efforts consentis. Notre société n'a pas la culture des librairies. Le livre devient au fil des ans un mythe pour la jeune génération au profit du numérique. Au ministère des Arts et de la Culture, on s'active pour une meilleure approche. En dehors de la passion, le livre doit être aussi un élément économique aussi dans notre pays. Donc il suffit de trouver les bonnes stratégies pour pouvoir vendre le livre. Par exemple, amener le livre vers le lecteur. Selon des informations recueillies auprès de cette éditrice, il en ressort que les jeunes du secondaire et des universités sont les moins actifs dans la lecture. Les chercheurs et les tout-petits, boostés par leurs parents, sont les meilleurs clients des maisons d'édition, des bibliothèques et des librairies.